Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Creole, Jean-Fé Dolendi, votre chef à la maison, qui rentre là avec nous. Moi, je dis nous un grand merci. Merci pour fidélité nous. Merci pour confiance nous. Merci. Jodi à la, je vais préparer une pâte pizza pour nous. Okay? Il y a un peu de monde qui fait pâte pizza, mais nous trouvons le compliqué. Quand on a là, moi, trouve une façon qui est plus simple pour nous. Et façon, je vais faire la lica commerciale aussi. Ça veut dire, si vous avez une entreprise vous voulez faire une pizza congelée, je vais vous montrer comment vous congeler pour venir, vous venez acheter le tout congelé. Si toutefois vous voulez faire le tout pour vendre tout, vous pouvez le faire. La seule différence, c'est que vous considérez ce que vous allez prendre là. Seulement ça, vous allez faire le commercial. Okay? Quand on a commencé, pour me faire pâte pizza pour nous, vous avez deux pâtes, vous allez mélanger ensemble. Qui va le faire. C'est une pâte brisée et puis avec une pâte pain maison. C'est deux ça qui va prendre une pâte pizza. Okay? Quand on a ça, me fait une fontaine là. C'est même pâte brisée, nous, vous avez sous chaîne moi. Ça veut dire. 4 tasses de farine, yon bloc beurre. Moi mette le bloc beurre là-dedans. Après ça, on gagne yon tasselette avec yon jaune œuf. Tasselette là-dedans, là, mais jaune œuf, on tout mette là-dedans, on crase. Yon pincé sel, yon pincé sucre. Là, nous mettons seulement mon pincé sucre dans ça. Qu'on a là, moi fin crase jaune œuf là-dedans. Qu'on a là, moi va le faire mélange. Beurre avec farine. Une fois qu'elle est bien farine avec beurre là bien mélangé, moi font fontaine encore qu'on a le verser lait avec jaune zéa là-dedans. Et voilà. Ça c'est déjà ça nous t'arrive pas de briser. T'allais me parler nous de beurre. Moi dis nous si toutefois on a fait le commercial, nous pas obligé prendre beurre ça. Ça veut dire qu'on a nous-mêmes, nous allons prendre manteig. Manteig là, c'est lui-même, il y a le Crisco hein, aussi. Hein. Nous allons souhaiter nous comprendre ça. Ok, nous allons prendre Crisco, nous allons prendre l'autre beurre. À ce moment-là, la vie est moins chère. Mais soit faire la carou, je suggère vous faire ça parce qu'elle est très bon. Parce qu'on ne peut pas payer employé, donc vous faire un bon petit pizza. Très très bon pour manger. Qu'on a embrassé ça, ok? Ok, une fois que vous faites pas de briser comme ça là. Qu'on a mis ton petit farine là pour juste nettoyer même. D'autres, ok? Et voilà. Moi, juste quitter comme ça. Qu'on a là pour le mettre une serviette de mid là-dessus. Qu'on a là pour lui bien prendre. Serviette de mid là, 15 minutes, 20 minutes, c'est prêt. Ok? Ok. Qu'on a là, nous rendu pâte brisée à presque l'égouttant fin prêt. Elle dit pâte brisée à l'égouttant fait 15 à 25 minutes là. On a là, on va le faire pâte à pain maison, ok? Mettre de l'eau tiède là. Et puis mettre deux petites cuillères de sel qui nous tout mettre dans la farine là. Parce que vous avez dit, mais on va mélanger sel avec levure. Ok, on a là, normalement, dans pain maison, moi dis nous pour mettre deux cuillères de levure. Mais étant donné que là, moi y a deux pâtes qui vont le mélanger ensemble, moi t'as mettre quatre. Petite cuillère de levure dans l'eau tiède, mais c'est 5 que je mettais. Si vous même fait pour vendre aussi, vous pouvez mettre 6 même, ok? Qu'on a moins brassé. Pas oublier, pour faire levure la fonte, c'est dans l'eau tiède. Pour mon cas, poser une question, qui ça que levure là, ou pas qu'à faire levure? C'est une composition chimique liée, ou pas gagner choix pour rentrer dans la maquette, pour m'en dire, aller là en ligne, côté vous fait pain, côté gain farine. Mon ouek là, dans la mandel, qui ça que les levure là? La baoule, ok? Je vais répondre à une question. Ok, une fois que je bien fondre les vieux là, est-ce que moi les vieux là bien fondre? Je vais faire une fontaine dans la farine. La farine, c'est 4 tasses. Hein? Je vais vider là-dedans au complet. Ça, là, nous avons fait la main aussi. Hein? Moi, j'ai déjà fait la main pour nous, qu'on a là, je fais la machine, ok? Qu'on a aller doucement. Ok, une fois que la pâte est bien faite là, on nous dit si c'était la carotte ou t'as fait là la main, si toutefois pas de malaxeur pour faire, qu'on a la fin brasse là, qu'on y a là, sans qu'on peut quitter le reposer, qu'on a pris une pâte brisée à côté fer, qui est en prêt, qu'on a pris déposer là-dedans. Ok? Moi-même là, le malaxeur n'a qu'à prendre deux fois la recette là, moi tout mettre pâte brisée à là-dedans. Qu'on a là, moi, pour mélanger deux pâtes ensemble.
Toujours doucement. Il y a des gens qui ont même mal à ça avec moi ou qui prennent 8 tasses, pas plus. Si vous mettez plus que 8 tasses, ça ne marchera pas. Ok, qu'on a fait certain que vous tous les deux bien mélangés, qu'on a retiré la pâte là. Généralement, lorsque nous faisons pâte à pain, nous quittons les petites quantités que nous faisons, nous quittons les gonfler dans le bol là. Ok, nous avons qui ça m'utiliser là, mais nous m'utiliser ça petit bâton en longue. Ok, je vais prendre ça qui fouet, ça là, et pas m'utiliser, ok, pour faire pâte, c'est jamais ça. Même si mal pris, pas utiliser pâte là avec. C'est avec ça que vous faites pas. Ok? On a pas qu'on finit de faire. On est là, moi, mettez nos gros ustensiles. Mettez ça, il y a n'importe quoi. Il y a une cuvette en plastique. Ok? Qu'on a voilà. Mais pas de pizza. On est là. Moi, prêt à quitter les. Bien, regarde, c'est vraiment boule. C'est bien mélangé là. Qu'on est là. Moi, prêt à quitter monter 1 heure à 1 heure et demie. Si toutefois ou même on fait ces petits commerces ouvrés favelles, ok? Pas bien, je vais mettre 6 petites cuillères de levure. Ou à faire dans la soirée. Et pour mettre comme ça, toute la soirée avec serviette humide là, sous l'eau ou quitter. Pas dans le réfrigérateur là. Ou à mettre l'air libre. Ça veut dire ou quitter sous comptoir. Normalement, c'est farine avec sel, de l'eau, pas qu'à gagner là. Ok? On a là, moi, mettre. Mettez serviette humidement là-dessus, là, qu'on a la quitter là pour au moins 1 heure et demie. Ok? Là, qu'on a la moindre après 1 heure et 20 minutes, là. Qu'on a même pas de pizza. Waouh! C'est excellent. Succès, hein? Bien, bien fait. Ni pâte à pain, ni pâte à pain, ni pâte brisée, hein? Yo tous les deux viennent faire un seul. Ça, c'est un vrai réussi, là. Regarde-moi ça. C'est parfait. Voilà, réussite totale. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédolin. Votre chef à la maison qui était en train de...